We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Bienvenue au Triangle. Ah, merci. Donc, c'est le bar Cannes France Ferté Gère, nouveau lieu à Reims, qu'on est super content et super fiers d'accompagner. Bah, j'ai hâte, hein. On a encore un peu en mode travaux, mais Anne France ouvre maintenant dans 2 jours, soit vu qu'on est le 8, on ouvre dans le 10 octobre. Très bien. Sipai, explique-nous qui tu es. Alors, moi, je m'appelle Sipai Wong Bei. Alors, c'est mon identité secrète. Je fais du conseil en visibilité sur le web pour les entreprises. Sur une structure qui s'appelle Assonance, qui est résidente de Quartier Lima. Depuis combien de temps t'es résidente de Quartier Lima ? Depuis 1 an, et la société existe depuis 4 ans. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'être résidente de Quartier Lima ? Concrètement, c'est comme si t'étais dans une ruche positive où tu vois plein de gens, et c'est des choses qui se créent, mais pas volontairement, tu vois, tu rencontres, tu crées des choses, t'as des nouveaux projets, et ça se fait très naturellement, sans même y penser, et ça, c'est génial. Il me semble que t'as un parcours de vie assez atypique, t'as fait plein de choses. Si ouais. T'avais quelques petits exemples à donner de ton parcours passé. J'ai fait plein de choses, j'ai vendu des nouilles sur les marchés. Elles étaient bonnes ? Elles étaient excellentes, c'est celles de ma mère, elles sont excellentes, bien sûr. j'ai été guide sur un escorteur d'escale de la Marine Nationale. Pendant plusieurs années. Dans quel coin de la France ? À Nantes, okay. Sur le maillet brisé, si les gens connaissent. Et non, j'ai fait plein de choses comme ça. Et puis maintenant, je fais du web. Voilà, du web. Qu'est-ce qui t'a amené de tout ça à faire du web ? Moi, je voulais raconter des histoires. Et ce que j'aime dans le web, c'est que c'est un peu le meilleur endroit pour faire le plus multimédia possible. Du texte, de l'image, du son, faire intervenir des gens facilement, voyager. Enfin, vraiment, le web, c'est comme une feuille de papier où tu peux tout faire, mais vraiment tout faire. Excellent. Tu nous as ramené un objet. Ouais. Dis-nous un peu ce qu'est cet objet. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est un bandana. C'est un bandana qui est tout simple. En fait, quand tu l'ouvres, t'as des images de Mickey dessus. Et moi, ce que j'aime avec cet objet, c'est que c'est un peu à l'image de ce que je fais et de ce que j'aime faire, c'est que ça a l'air d'être pas grand-chose, mais quand tu l'ouvres, d'un coup, ça devient amusant, intéressant, ça cache quelque chose et ça donne toute sa valeur à l'objet lui-même. Ok. Et si on pouvait te souhaiter un truc en particulier, ce serait quoi pour le futur ? Bah, la santé. Comme on dit, bonne année, mais surtout la santé, mais c'est vraiment très vrai. Et j'espère rester en bonne santé pour continuer tous mes projets. Super, merci beaucoup Sipai. De rien. Et pour les actus du mois, il y en a à nouveau 3 ce mois-ci. La première, 31 octobre, le retour des balles trop, les balles populaires et tropicales à Quartier Libre avec Camille Poplimon, Nice. Deuxième actu, le 14 novembre, nous avons l'honneur et la joie d'accueillir Michel Joliot pour une exposition qui va durer 3 semaines autour d'un bouquin que Michel va sortir. Et le 14 novembre, on vernit cette exposition avec un de ses amis, dont on taira le nom pour l'instant, mais ça va être une belle soirée. Et le lendemain, le 15 novembre, nous accueillons une nouvelle résidence qui s'appelle Odyssée, avec notre ami Another Pixel. Ça va être un beau moment également avec nos amis du Photographe Corp. Et également, on est au Triangle, là en plein travaux. La vidéo sera diffusée quand le bâtiment sera déjà ouvert. Le vendredi et le samedi, Anne France vous accueillera ici avec grand plaisir. Et d'ailleurs, Anne France qu'on retrouve sur le clap. Accueillir, servir, et ce sera en 4 mots, donner de l'amour. C'est une association de malfaiteurs, mais en réalité, c'est surtout un pôle avec 3 associés. J'étais utopiste, maintenant je suis un peu plus pragmatique, mais je vais redevenir utopiste. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. De Walt Disney. Ain't no mountain high enough.
Triangle. Alors, c'est ouvert au public. Vous pouvez découvrir une sélection de vieux champagne, des cocktails, des jus de fruits frais, des bières craft sélectionnés par mes soins pour vous, que vous pouvez consommer sur place ou à emporter. C'est des privatisations et c'est surtout un lieu où vous êtes ici, comme chez vous. Yeah.